Bon, bonsoir. La page ce n'est pas monétisée. Bonsoir les Warriors, mettez les cœurs s'il vous plaît, parce que on va faire notre petit japap à notre façon. Donc je dis bonsoir aux sympathisants en Lolomania, parce que leur maman est toujours ici chez moi. Elle est venue me rendre visite parce qu'elle est toujours un peu souffrante. Donc elle est venue se reposer un peu. Donc voilà. Aujourd'hui, on fait les travers de porc. Oui. Ambolo, Ambolo, Jérôme, mon frère, c'est comment? Tout avec ça. Voilà. Hey! Non, elle ne boit pas. Bon, j'arrive, je vais venir parler là-bas tout à l'heure. Mais pas manger, moi, dans un verre. Bah, il y a des verres là-bas. Moi, j'ai pas de verre ici. T'as pas de verre? Bah, il y a des verres à la commode. J'adore profiter de toi. C'est ça. Bisous. Bon. Bisous. Ouais. Bon, on remet un peu au frais ou pas? Bon, non, moi je ne bois pas ce qui est frais maintenant. Ah bon? Je sème du lait. Ouais. Arrête, tu touches tout partout là. Viens dire bonjour, hein. Dis bonjour à mes amis. Bonjour aux amis. Non, t'es bien perdu, dis tes os. C'est vachement indiscret, là. Ouais, quoi? Allez, dégage, ouais. Allez, passe, non, dégage. Dégage, tu me dis pas dégage. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne connaissez pas mon vieux type, c'est... C'est de m'arrêter depuis fort. On est ensemble comme ça. Quand il a, il pense à moi. Quand j'ai, je pense à bon, j'arrive, on va faire des développements. Chaque jour qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Capota, capota, capota. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Donc, tu me vois seulement. Et si on a un japam chocho. Ah oui, à l'époque, c'était le japam chocho. Mettez les cœurs, les warriors. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ce n'est pas bon. Oh. Je vous supplie de mettre les cœurs dans mon compte, là où peut-être que j'aurai l'argent là-bas un jour.
Même ici, là, que c'est. Ici, ce n'est pas monétisé, même ici, vous ne mettez pas les cœurs. Tata, le bruit là. Quelle affaire commence, hein? Nous quoi, quelque chose arrive, nous trouvons la fête pour nous, mais moi je mets des voices. Les voices. Non, Lolo est là. Lolo est chez elle ici. Est-ce qu'elle est venue pour vivre ici? Elle est venue pour voir. Je ne peux te surprendre venant de moi. Tu crois que moi ça me surprend? Tes histoires que tu te lèves, tu me tentes là. Parce que tu crois que tu es avec mes ennemis. Je suis avec tes ennemis en solo, mais fais-toi une personne qui ne parle pas. Parce que toi, quand tu parles ta soeur à mes ennemis, tu viens, tu me racontes, tac, 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 je suis là, je ris avec toi. Moi-même, je collabore avec tes ennemis, mais en solo. Comme je vais te frapper, tu ne vas pas me voir venir. Tu sais pas. Va sur ce terrain, parce que depuis, elle te dit que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Tu appelles même celle que tu dis que c'est notre mère, si t'as lisé, elle te dit que ne fais pas ça, la fille a gardé tes enfants, la fille a soigné tes enfants, ne fais pas ça avec ta soeur, ne pars pas sur ce chemin-là avec ta soeur. Comme tu vas entendre que tu es une star, tu es une diva, tu commences déjà à toucher l'argent, petite ingrate, que l'argent même, obligé de partouzer, aller en partouze dans les trucs au bord de l'eau avec les ministres la nuit. Lady Ponce, tu es quoi? Tu as entendu que moi, on a fait les partouzes pour avoir l'argent. Minalmi, il va te laver. Pour le laver, là, on sait qu'elle va te laver. Tout le monde attend ça. Elle va te laver parce qu'ils ont déjà attendu ça. Elle va avoir au moins 1 million de vues sur ma page. Facebook va me payer. L'argent que tu dois me payer depuis là. N'importe quoi. Encore sur ce terrain-là. Tout seulement à mon caleçon là-bas ou bien à ma chaussure. Cette maison, c'est ma maison. J'ai les preuves. Toi, tu as une preuve que tu payes quelque chose là. C'est tes chauds qui payent les factures de gauche à droite. Et tout. Montre-moi, tu as un compte en France. Tu as un compte, les diplômes. Tu as un compte. Ah, oubliez le jongler quand hein, tu pars récupérer l'argent là-bas, tu récupères l'argent là-bas, hein, versez, vous payez, tu oublies le jongler comme ça. Ngoy. Les matelas par terre, sales, les têtes de poisson partout. Je dis que j'ai tout. Je vais mettre tout ça en public. Touche seulement à ma chose. Tu viens et trouve que tu as mis ma chose ou bien la chose de mon enfant à la cave, lady. Touche seulement à ma chose. J'ai tout. Ça, c'est la première vidéo d'abord qu'elle t'envoie quand elle nettoyait ta pourrie maison. Voilà où tes enfants dormaient. Les vieux matelas superposés. Tu es une personne, toi. Tu achètes les choses que tu prends maintenant, prendre sur le bon coin partout, que les vieux blancs sont morts, ils dorment sur ça. Que tu amènes pour que les gens dorment sur ça. Toi, tu parles à qui? Tu es zéro, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. C'est grâce à moi qu'en un an là, tu as pu monter tout ce que tu as monté là. 20 ans, tu as les copines. 25 ans, tu as les copines. Tu as ta famille. Tu as fait quoi? Mais je suis arrivé sur toi. Un an et demi que je suis derrière toi. Tu as bâti tout ce que tu as bâti là. Tu as monté. Si tu es ingrate avec moi, Lady, je te jure que je prie le vrai Dieu. Il dit que même le feu va prendre. Tu vas tout perdre et en une journée. Ne fais même pas que je me fâche contre toi. Comme je suis énervée aujourd'hui là. Puis que quand je vais dormir, ma colère baisse. Je prends mon chapelet, je tire mon chapelet, mon cœur baisse. En un an, tu as utilisé mon étoile, mon esprit, ma force, ma bravoure pour monter tout ce que tu as monté là. Parce que j'étais derrière toi, je te soutenais avec le bon cœur. Je buvais les caca, je buvais les pipis. J'ai pris mon argent, j'étais fait un anniversaire. Mon argent, j'ai préparé la nourriture, j'étais habillée. Pour laver ta mémoire que ton mari avait sali, il avait mis les caca sur toi. C'est sur moi que tu veux chier. C'est moi, sur moi que tu veux manquer de respect. Que mon Dieu te punisse. Qu'il te fasse perdre tout. Comme tu m'insultes que moi je n'ai rien là. Qu'il te fasse perdre tout. Et il va te faire perdre tout. Si tu ne me demandes pas pardon. Moi je ne suis même pas Dieu. Hein. Demande pardon à Dieu. Que ma colère baisse contre toi. Parce que ce qu'elle va te faire. Lady, tu as
transférer les messages, c'est à qui tu veux. Envoie même à Dieu dans le ciel. Il sait que c'est parce que je suis derrière toi depuis un an que tu as pu faire tout ce que tu as fait là. Maintenant, tu veux te demander même rien. Parce que dans ma vie, j'ai tout eu. Et je te dis, tu veux que ce que j'ai eu dans ma vie là, proprement, c'est un homme qui me donnait. Et n'était pas le matelas de la République que je couche avec les vieux de gauche à droite. Je couche avec les jeunes de gauche à droite. Je suis fiancé au moins avec trois gars et tout. J'avais un million qui me donne 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Je pars au Cameroun, je fais. Je m'assois. Parce que j'ai décidé de m'asseoir, faire mon enfant quitter un peu le monde dehors parce que j'avais déjà abusé. Que tu vois que toi, tu m'as rencontré, que tu peux même parler n'importe comment maintenant. Même dans ma galère, là, je dis, tu m'as déjà donné 500 euros pour acheter à manger un jour. Hein? C'est tout, t'es chaud. Quand ce n'est pas Pierre qui envoie là-bas, c'est Paul qui envoie là-bas, c'est l'autre qui envoie là-bas. Le loyer, même le loyer, tu as une facture à ton nom? Hein? Mon passeur va te demander au tribunal que montrez-nous un peu où le loyer est payé de votre compte. Mais moi, je vais montrer comment le téléphone est payé de mon compte et l'électricité est payée de mon compte avec mon nom. Les voisins me connaissent. On m'a vu affronter les dealers là. Les dealers, les vendeurs de gros gars là, montagés, les dit. Tu as me dit ça. Mais les armes et tout, venez avec les armes sur moi. Tu fais ça à qui? Tu veux faire ça à qui? Marche avec mes ennemis, je ne te défends pas, hein. Mais ne traverse pas la ligne rouge jusqu'à ce que tu me manques de reste ou bien tu me m'épuiser comme tu me m'épuises. Tu es malade, toi. Tu es malade. Tu es arrivé quand dehors? Tu es arrivé quand? Tu as commencé à chanter hier, hier, là, et tu es arrivé dehors. Hein? À cause de ton mari qui est mon ami, je me suis mise tous les femmes sur le dos. Mais toi, maintenant, tu as mis avec les femmes là. Et tout, tu me fais passer pour la mauvaise. Et tout. Mais ne t'inquiète pas. Et me mettre même à genoux sur Facebook pour demander pardon à Cyclone. Juste pour te montrer que je suis un serpent à 10 têtes. Dès de 18 ans, j'étais dehors, Lady. C'est un colonel de l'armée française qui m'amène ici en Ben. Je n'ai pas fait la pute comme tu vois là. Comme toi, tu es en train de faire la sale pute là. Je n'ai pas fait ça. Parce que ta position, on t'appelle matelas de la République, là, c'est vrai. Et dis que, ancre dans ça avec moi. Touche à ma chose, seulement que tu mets à la cave, comme tu as dit là, que tu vas mettre mes choses à la cave. Tu vas plier mes choses, tu vas mettre à la cave. Cette maison-là m'appartient. Je vais sortir de là quand moi-même j'aurai envie. D'accord? Et je suis dehors pour chercher ma maison. Une maison qui me convienne, qui peut contenir toutes mes affaires. Je viens là, je trouve que mon verre est cassé. Je vais facturer ça. Une assiette cassée, parce que tu n'as pas les assiettes où tu es là. Tes assiettes, c'est les verres rouges, même les cuillères, tu n'as pas. Toutes les cuillères, tout ce qui est là m'appartient. Ce que tu allais porter dernièrement dans les brocantes, les choses des vieux blancs là, que tu as déposé chez toi partout. Là. Et tous les trucs à 10 euros, 5 euros. Toi, tu es une fille, toi. Tu as vu mes assiettes, c'est du virin et boc. Ce que tu utilises pour nourrir ton chaud que tu as ramené du Cameroun, c'est 100 euros l'assiette. Va taper sur Internet, tu regardes. Tu vas regarder. Regarde, tu vas regarder. Comment que tu veux m'amener là? Même mon père ne pourra pas sortir de sa tombe pour me contenir. Si tu connais, mets-toi seulement loin de moi. Tu attends seulement, tu pries seulement ton diable ou bien tes démons pour que je vienne récupérer mes affaires, qu'il n'y ait même pas d'accrochage ou bien qu'on ne se chamaille pas. Parce que où je suis là, j'ai la haine, la rage. La rage. Donc tu me fiches la paix, tu me laisses dans mon coin tranquille. Fais mes choses tranquillement. Tu ne me mets même pas la pression. Tu ne me tentes même pas. Parce que moi, je n'ai pas honte de te le dire en face ou bien de t'avertir face à face. Et t'avertis et personne ne va m'arrêter. Je dis bien personne. Donc, prie tes démons ou bien prie ou ta secte où tu es parti entrer là et tout. Que tu t'en fous de tout, tu balais tout. Tout le monde peut entrer dans ta secte là, le dit. Tout le monde peut devenir pire que toi. Moi, il peut le devenir. Il peut devenir pire que toi. Il peut faire les mauvaises choses dehors que tu ne connais même pas. Donc, prie ton diable ou bien prie ton quoi que je vienne seulement porter mes choses de chez toi. T'as passé, j'ai tout de toi, le dit. J'ai tout de toi. Tu peux faire les points avec tout le monde, mais pas avec moi. Et tu le sais. Donc, ne me tente même pas parce que je suis une. Un passage de ma vie là même qu'il ne faut pas. Comme tu étais il y a un an là que tu t'en foutais. Même si les enfants sont malades, même quoi, tu t'en foutais. Parce que tu voulais t'en sortir. Moi-même, je suis sur ce passage là maintenant. Je suis sur la même route là.
Donc tu te mets sur ma route ou tu me mets comme tu m'as fait la semaine dernière. Je me suis retrouvée dans les problèmes. J'ai les contrats que je n'ai pas pu honorer à cause de tout, à cause de tout ce que tu m'as fait subir la semaine prochaine. Donc où je suis là, j'ai la rage contre toi et te le dis. J'ai la rage. Je prie pour que mon démon ne sorte pas. Donc fiche-moi la paix où tu es là. Puis que je trouve la maison et tout, je viens porter mes affaires tranquillement. Tranquille. Ah. Je sors de là où je te décris. Moi, je ne suis pas cyclone parce que quand cyclone disait qu'il va te décrire, il va te faire et tout, je le voyais comme le démon. Lui-même, il va le chercher, il va dire que j'ai signé les papiers de divorce que tu es en train de faire là, que personne n'est au courant. Il va me mettre sur Facebook, il va dire ça à tous les Camerounais. Mais tu t'amuses avec qui? Ah, lundi matin, tu me tentes. Lundi matin, tu vas me tenter après m'avoir pourri la semaine, toute la semaine dernière que je n'ai pas pu honorer un marché que je devais honorer depuis des mois ensuite à cause de toi, à cause de ce que tu m'as fait. Je me suis retrouvé coincé, monté, descendre et tout, machin, tout partout. Où tu es là, hein? Faut prier Dieu. J'appelle d'abord ton cousin maintenant, j'appelle d'abord tout le monde, j'avertis parce que quand elle va encore chanter avec toi, qu'on ne dise pas que je suis mauvaise. Ben, c'est toi qui me cherches, c'est toi qui me pousses à bout. Mais fous-moi la paix. Tu as vu bien qu'elle ne vient pas chez toi. Tu es là, elle cherche à partir. Hein? Ne me fais pas genre, tu vas raconter comme tu racontes les gens qu'elle est chassée. Toi, tu peux me chasser. Il y a quoi chez toi? Parce que tu achètes les assiettes maintenant, tu achètes les trucs. Tu avais les glaces chez toi, ou bien les plats, ou bien les assiettes. Hein? La maison là, tu es propriétaire, tu payes 1025 euros. Tu parles comme si peut-être elle ne paye pas les factures. Là, tu donnais quoi pour tes enfants? 200 euros, 300 euros pour la nourriture par mois. J'ai les papiers, j'ai tout, ça va tout sortir. Elle dit, ne me parle jamais, ne me nante pas sur ce terrain avec moi. Nante, je suis celle qui ne faut pas entrer sur le terrain là avec moi. Hein. Nante pas sur ce terrain là avec moi, s'il te plaît. Je te le dis là, mais lundi matin. Non. Et puis si ta Lisa n'est pas ton mouton, que tu l'utilises seulement quand tu veux qu'elle fasse quelque chose pour toi. Même le remède de son mari, quand tu amènes au Cameroun, tu es incapable d'aller donner le remède à ce monsieur. Tu es une ingrate. Tu es une ingrate. Tu crois que tu peux t'asseoir avec les gens pour parler de moi? Moi, mais pas aussi m'asseoir. Et toi, c'est les vrais, sur les vraies versions. Et m'asseoir avec tes vrais ennemis, même alors, pour te détruire. Ça, je te le dis. Et quand il vient récupérer mes affaires, il va appeler la police. Voilà. Il va dire à la police, je vais raconter tout à la police. Je vais appeler le voisin qui est là. Mais il va tout lui raconter. Ton ingratitude, là, tout le monde ne sera au courant. N'importe quoi. Viens chercher tes affaires tout de suite. Tu crois que tu peux me traiter comme une moins que rien ou bien me mettre à la porte que tu as raconté qu'elle est chassée de chez moi? Hein? N'importe quoi. Je suis au courant de tout ça depuis. Je sais. Une personne qui reste s'asseoir à mes ennemis, elle est même contente de venir me dire que tes ennemis ont dit ci. On dit ça. Tu connais ce que toi, tes ennemis disent de toi? Ta fin sera terrible. Hein? Ouais. T'es tenant à Yaoundé depuis des années. 10 ans, 20 ans. T'es le terrain de la mythomanie et tout que tu racontes là. 5 ans en arrêt, tu as fait quoi? Moi, Nyango, mon mari, reine. Ntomongwa Nimbani, princesse. Je suis ancrée chez toi, avec mon étoile. J'ai ma boussette, mais je suis ancrée derrière toi avec mon étoile. Anan, regarde ce que tu as bâti. Tu as sorti combien de chansons? Tu as monté un cabaret qui tourne sans à l'heure. Tu as pu construire la maison et tout, machin truc. Que depuis des années, tu es là, on t'insultait partout. Toi, tu as dit, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi, que tu peux faire ça parce que tu as l'esprit posé. Parce que tu peux faire confiance aux gens. Dès que tu as fini de faire ça, tu vois que tu es derrière bien, tu es assise, tu veux commencer à dégager les gens comme ça. Et c'est que ce n'est pas seulement à moi, tu fais ça. Même à Yaoundé, tu fais ça aux gens même qui sont proches de toi. Et c'est, je suis au courant. Voilà la preuve. Celui qui t'a aidé, Serge, qui t'a aidé à ouvrir ton cabaret là, que tu disais que vous allez vous marier. C'est sa mère qui fait ci. Et tu fais ci, tu fais ça. Tu me ramènes un autre maintenant que tu présentes que c'est derrière ton gars, vous allez vous marier. Il est accueilli bambité. Il bamba. Tu vas attraper le sida. Tu vas attraper la maladie dehors. Tu as déjà abandonné celui-là. Oh non, il a beaucoup d'enfants. Celui-ci, il a seulement une fille. C'est lui. Il est le colonel de Paul Biya. Tu connais le nombre de colonel de Paul Biya qu'il y a dans ma famille? Lise seulement le faire part du deuil de mon oncle, le seul qui me restait. Peut-être que tu me prends passer dessus dehors là, tu ne sais même pas de quelle famille je viens. Lise le faire part de mon oncle, le seul qui me restait. Tu vas lire les gens qui sont, tu sauras que dans la présidence là,
C'est ma famille qui est assise là-bas. C'est pas dehors. Il me tape la bouche dehors. Même au Cameroun, tu peux me faire quoi? Les gens là, ce sont tes chauds. Hein? Mais moi, j'ai ma famille là-bas. Les gens là, ce sont tes chauds. Il dit que tu me tentes. C'est moi-même qui vais appeler mes tantes pour leur dire que tu sois avec leur mari. Ils vont te mettre le feu aux fesses. N'importe quoi. Tu peux publier, ok? Tu as maintenant publié, ok? Va te publier. Et c'est un truc que... Prends ton mal en patience. Le jour qu'elle va ramasser toutes mes choses et qu'elle va sortir de là, m'installer bien, je serai déjà bien. Tu n'as même pas intérêt à faire que ma tête chauffe ou bien ma tête jette l'air ou bien que j'apprenne un truc que tes copines ou bien tes copains ont parlé dans un milieu à Paris parce que je reviens à Paris, là, j'ai les oreilles partout. Je suis avec les vrais divas, les vrais stars, les vraies filles qui sont belles du pied à la tête, qui ne font pas le nyansang et tout. Il y a un temps ça là, je verse tout. Toutes tes choses seront au courant. Mes oncles, la maman, elle veut venir au Cameroun m'asseoir chez eux, raconter même à leur femme. Tu me connais? Tu me connais? Aïe ah, là, aïe ah, là. Dindam. C'est pas que j'ai un sérieux problème. Parce que vous êtes souvent ici dehors que vous voyez les gens. Une personne fait tout pour être gentille avec toi. Il t'a dit qu'il était prise comme une petite sœur. J'ai pris les coups pour toi. J'ai pris... Aucun de tes enfants ne va dire que je l'ai maltraité là. Les enfants sont malades et je ne dors pas la nuit. Je me lève. Les enfants vomissent. Je pars ramasser les vomissures des enfants. L'autre a le Covid. C'est moi qui ancre là-bas dans la chambre. Je le soigne. Lady Ponce, c'est toi qui peux te lever. Tu me parles à moi, Nyango, non? Hein? Tes enfants ont eu leur premier arbre de Noël. C'est moi, Nyango, non? Tu nous as envoyé l'argent à Noël? Tu as acheté des cadeaux à deux enfants? Ange, tu as acheté le cadeau. Marcel, tu as acheté le cadeau. Tu as commencé ta sorcellerie là depuis décembre sur les enfants. J'ai acheté un arbre de Noël, j'ai fait à manger pour que les enfants aient un repas familial. Que les enfants, moi, tu ouvres la bouche sur moi. Oui, mais tu es malade. C'est toi qui as un sérieux problème. Moi, je vais très bien. Hein. Je vais très bien. C'est toi qui as un sérieux problème. Et je te dis qu'après moi, quand il va sortir de ta vie là, change avec les gens. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Tu as une personne que tu vas aller faire comme tu fais là, qui va finir avec toi. Ça, je te le jure. Tu es très ingrate. Maintenant, les Togolais que tu as pris, que tu avais eux dans ta maison là. Eux, alors là, la personne dit que tu marches. Ce que tu aimes là, c'est ça qui va te finir. Comme tu aimes l'ingratitude là. Tu es maintenant avec le type de truc que tu montes, tu descends, c'est lui et tout. Quand tu vas disparaître, que là, tu vas bloquer ton téléphone, il t'écrit même, tu ne réponds plus. Tu ouvres ta grande gueule là et tout machin, tu gagnes. Il va te finir. Comme il ancre chez toi là, il met ses tentacules. Il ancre chez toi. N'oublie pas que j'ai un enfant chez eux. Ne l'oublie jamais. C'est parce que le père de mon enfant est loin. Le jour qu'il va voir son frère, il va tout dire à son frère. C'est toi qui auras honte. C'est toi qui auras honte. Je viens d'avoir le numéro de puce, le numéro de Serge, le numéro de tous tes gars que tu baises avec dans ton cabaret là. Même celui qui vous a loué le terrain que on a dû aller prendre l'argent pour louer le terrain ou construire. Tu as quoi? Pense à tissu, ça t'appartient. Ça t'appartient. Tu m'as bloqué de l'autre côté, non? Tu peux me bloquer de ce côté. Si je suis sur toi, tu vas arriver au Cameroun, tu vas trouver le feu là-bas. Comme tu es venu, il t'a bien dit que n'entre pas dans ça avec moi. Il va te mettre le feu au cul dans ta vie. Que ce soit ici ou au Cameroun, je te colle un procès au cul. Tu sais ce que c'est qu'avoir GDF à son nom ici en France. Tu as ton nom sur une facture là. On te connaît à l'école. On te connaît ici là, à Montargis en tant que machin truc nanana. On te connaît là à Villemandeur. À la mairie, c'est moi qu'on connaît. Je vais te crêter, je vais te montrer que l'habit de l'ingratitude, comme tu portes là, comme on vient de me dire que tu portes l'habit de l'ingratitude, que tu es ancré dans les sectes depuis des années là, que même quand tu es nu, même quand on couche avec toi, tu es bizarre au lit, comme tu es bizarre dans ta vie là. J'ai tous les détails sur toi, Lady. J'ai tous les détails sur toi. Et dis-moi là, tu ne vas pas me tuer comme tu as tué les autres, les bobans, tout ça et tout et tout. Ils sont morts parce qu'ils étaient les cons. Tu es là tout le temps, tu sors les larmes de crocodile. Hé, hey, boban, la femme des bobans a fait que machin truc alors que tu l'as tué. Et dis bien que même les hommes qui couchent avec toi, que tu ressembles à un serpent au lit. J'ai dit qu'effectivement tu as un serpent parce que tout le temps tu racles les peaux de tes pieds là. C'est les pieds de serpent. Moi, tu montes sur moi. Moi, ton gigolo que tu as amené, que le gars de Serge de Tui là.
Il a mis son argent et qu'il peut se suicider là-bas au Cameroun. Je vais l'appeler ce soir. Je vais lui dire que tu es ici avec un homme. Lui dit, on va se faire ça avec les mains, face to face, si tu veux. Il te dit que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Quand j'appelle quelqu'un que membre de ma famille, petite soeur ou grande soeur ou ma jeune, c'est le respect. Si tu vas ancrer dans le haut, que tu ancres dans ta secte de satanisme là, que tu as porté un vilain habit de sorcellerie, de démoniaque là, sois loin de moi. Fallait continuer dans ton hypocrisie là avec moi. Que je porte mes choses tranquilles, je sors de là. Ne n'entre même pas dans le mépris. Parce que là, je suis encore chant avec toi. Et je vais te toucher où il faut. Je dis bien que les puces, celui qui brise le poulet chez toi, qui fait le sport là-bas chez toi, avec qui tu as couché. J'ai tout de toi. Et je ne fais que prendre. Même mon père Ngongo, je vais l'appeler. Ça, c'est mon grand frère, même Bernard, qui a me donné son numéro. Minilinye, je vais lui parler en Nanga. Oui. Il va te montrer que dans la vie, là, quand tu portes ton vêtement d'ingratitude, là, il ne faut pas être ingrat avec tout le monde. Il ne faut pas traverser certaines. Tu vas regretter qu'ils te présentent les gens. Tu t'assois maintenant avec eux. Tu t'associes avec eux pour me décrire. Moi, je vais te décrire inside. Ce n'est pas out, ce n'est pas dehors. Parce que les gens que tu avais à montager, là, ils m'en foutent. Ils ne sont rien dans mon système. D'accord? Ils ne sont absolument rien dans mon système. Je vais te décrire de l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Je vais t'exploser comme ça, là, comme une bombe de l'intérieur. Prends mon voice. Si moi, je prends ton voice, j'envoie à tout le monde. J'envoie à Docteur, j'envoie à Théo, j'envoie à tout mon répertoire déjà. Ça va aller où ça va aller. Voilà, transfert. Si tu veux, tu me rebloques de ce numéro si j'en ai rien à foutre. Là, je suis en guerre avec toi. Depuis des mois, je te dis que ne me cherche pas. Ne me cherche pas. On cherche une personne qui a raté sa vie, comme tu dis. Comme toi, tu es arrivé. Tu as quoi? Tu peux filmer les maisons, les shows et tout. Tu dis que c'est le chez toi. C'est le chez toi où? Une maison, tu dis que tu construis les meubles bas, c'est un auto show qui a conçu le haut. Maintenant, c'est un auto show machin. Tout l'auto show là-bas, il pleure. Il attend que tu vas te marier avec lui. Toute la famille au courant. Tu as apporté un autre, tu as amené en France. C'est lui qui vient d'ailleurs donner les ordres qu'il faut chasser tout le monde. Je vais appeler Serge ce soir, trop tard demain. Je vais l'appeler. Je vais lui dire que tu es ici avec un autre homme. Je vais tout lui raconter. Tout ce que tu as fait à Théo. Toutes les factures et tout. Je vais tout envoyer. Oui. D'abord là, je ne suis plus chez toi. Je suis venu chez toi avec mon fils. J'ai déjà pris mon fils, j'ai envoyé chez son père. Donc ça te prouve que je ne suis plus chez toi. Ce que tu as encore de faire là, c'est que tu vois que tu ne peux plus m'exploiter. Moi, je suis dehors, je cherche l'argent. Je vais vendre le piment comme toi aussi. Je vais changer le fiancé tous les deux, tous les trois mois. Ou je vais m'avoir quatre ou cinq fiancés. L'autre au Cameroun, là-bas, il sait que c'est lui. Il y a six mois, hein, il va me marier avec lui. Maintenant, c'est un autre. Après, demain, c'est un autre. Ce que tu sors, même les membres de ma famille avec qui tu sors et tout, machin, tu. Ne m'amène pas sur ce terrain, s'il te plaît. Oui, je suis là et pleure à moi, mon père et tout, je ne sais pas comment faire pour aller enterrer mon oncle au Cameroun, aller au Cameroun. J'ai mes marchés, j'ai mes problèmes et tout. Moi, tu viens me réveiller le matin pour venir mec chez moi. C'est une maison maintenant. Une maison avec les asticots que je suis ancrée, une star. Tu vis dans une maison avec les asticots en bas. Il n'y a rien, même pas un plan, même pas un rien, même pas un verre. Aujourd'hui, tu tapes la bouche parce que tu achètes les choses à la brocante, tu achètes les choses sur le bon coin. Tu veux parler à Nyangoro? Amène-moi ça au corps. C'est pas un boum 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 que tu fais là-dehors. Là. Tu vas voir comment les gens vont encore se mettre sur toi. Tu peux faire ça à tout le monde, mais pas à moi. Hein. This is end. Bon. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que quand il y a des histoires comme ça, bon, elle expliquait que les Japonais ont fait venir quelqu'un, un Togolais chez elle. Le Togolais a demandé qu'elle chasse... Nyangon. Bon, il y a un problème. Avant que peut-être elle-même, vous savez, la cohabitation entre deux femmes dans une maison, c'est très difficile. Parce que vous voyez que, ah non, on rit, mais c'est souvent très difficile. Parce qu'il faut faire attention. Quand vous avez votre maison, vous prenez une femme, vous croyez que c'est votre soeur, vous croyez que c'est votre amie, surtout ça, comme dit Jacques, entre guillemets, soeur, c'est très dangereux. Parce qu'après, tu vas te rendre compte que. Toi-même, tu n'es même plus chez toi. C'est difficile. Si j'arrive, je te sers. J'arrive, j'ai fini. Okay. Bon, tu te rends compte que tellement que la personne est entrepreneur, j'arrive. Tellement que la personne est entrepreneur chez toi,
Vous voyez, la personne est entrepreneur chez toi. Parfois, tu te rencontres même toi, mais tu n'es plus chez toi. Vous comprenez? Il y a certaines choses qui se passent, il y a des choses qui se passent. C'est pas parce que. Il y a déjà, il y a un, le manque de respect, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu vis déjà avec une femme dans la maison. Surtout une soeur que tu aides. Parce que moi, j'ai décidé que bon. Moi, j'ai décidé que pour l'instant, je ne veux plus attendre. Je veux que ma chambre là soit vide comme ça jusqu'à après, je veux trouver encore quelqu'un qui va venir rester ici. C'est saisonnier. Parce que c'est très difficile. Il faut aussi comprendre une chose que l'un du prince n'a pas pris cette décision pour rien. Peut-être qu'elle a aussi appris certaines choses. Oui. Il y a beaucoup de choses, mais tu as dit beaucoup de choses. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, il n'y a pas pourquoi le Dupont, tu l'as aidé pendant le Covid, il était au Cameroun. Son fils avait eu le Covid, tu as aidé son fils. C'est toi qui étais comme leur maman, leur tante et tout. Hein? C'est la cohabitation avec une femme. C'est très difficile, surtout si c'est une femme d'un autre pays, dans notre région du Cameroun, c'est autre chose. Mais quand c'est là que, ah, les problèmes vont commencer. Parce que, me fiez-vous. Moi, je me disais souvent, est-ce que tu fais un pack, je prends ta maison. Là que j'ai regardé que, vous voyez, enfin bref, je ne parle pas de moi là. Donc moi, j'ai été radical. Vous entendez? Moi, j'étais radical. Moi, j'ai entendu, j'ai supporté. Après, j'ai dit, allez, c'est comme ça. J'allais, je pense, franchement, tu es lâche. Parce que, elle est chez toi. Quand tu as appelé cette maison, est-ce qu'elle était avec toi? Hein? Elle connaît tes secrets. Il y a une maman là. Il y a une maman, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle avait dit un jour que la cohabitation avec les gens va mal se terminer. Et on va voir ceci dans les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, moi, je ne savais même pas que c'est comme ça. C'est comme ça que je suis dans ma vidéo d'aujourd'hui. Loulou est bon, faisait Poupie, elle supportait Mireille Blanche et moi, elle supportait Poupie. Et après, j'ai dit, bon, je vais un peu voir ce qui se passe chez Antoine Bachot. Et là, boum, on est tombé sur ça. Il ne faut pas aller dans ce genre de situation. Tu entends? Bon. Vous savez aussi que parfois, quand tu vis avec une personne comme ça, les gens, quand ils viennent vivre avec toi, ils ont l'impression que vous allez vivre longtemps ensemble. Pourtant, quand tu aides une personne, c'est pour une période. Tu entends, non? Et quand la période arrive, comme j'avais fait, quand la période arrive, et vous avez, tu commences à admettre à la personne que tu pars quand? Tu pars quand? Tu pars quand? Je peux vous dire que tout ce qui se passe là, moi j'ai vécu ça ici. Que c'est, on me dirait carrément que moi je partirai quand je veux. Je fais ce que je veux. Tu ne peux rien me faire. Et moi, comme je suis souvent comme ça, moi je crains comme ça, je dis qu'attends. Tu entends, non? Là, tu penses, il y a un coup de bonheur là fini. Sois une femme. Yeah? Pour tes choses, ces choses, tu balances pas. Tu balances, elle va te faire quoi? Les Camerounais sont toujours comme ça. Tu prends, tu tends la main. C'est elle qui vient te parler fort, te gronder, tu fais ceci, machin, tu as fait ceci. Voilà ça. Pourquoi tu prends encore des choses pour garder à la cave? Quand le jour que elle, comment on appelle, madame Lisa, son type là où l'habitude, elle lui a mis dehors, en pleine nuit, jeter ses choses en pleine nuit. Tout qu'elle a appelé Dieu, supplément que Dieu supplément t'a supplié de la chercher. C'est toi qui as payé le hitch. Tu l'as accueilli, non? Avec joie, non? Maintenant, tu es une femme, c'est ta maison. Tu lui dis que ma soeur, écoute, pour l'instant, je te remercie, tu es resté longtemps chez moi. Il y a des façons de demander à une personne de sortir de la maison. Tu vois, non? Il ne faut pas être brutal. Moi, de mon cas, moi, j'ai demandé plusieurs fois que sors, tu pars quand. Elle ne voulait pas. Quand j'ai vu que ça commençait déjà à crier chez moi, à crier sur moi, à faire certaines choses, j'ai dit que non, je vais être radical. Et j'étais radical, vous avez vu. C'est bon. Parce que si tu prends des choses là, tu mets du bois une fois. Même si elle connaît ton adresse. Qui ne connaît pas mon adresse ici? Est-ce que tu vois quelqu'un devant moi? Hein? Pour que cette histoire soit finie, tu prends ses affaires, tu lui dis que j'ai mis tes choses dehors et toi aussi tu filmes. Ne regarde pas que tu es une star. C'est ta maison, ce sont tes enfants. Parce que quand les secrets sont déjà comme ça dehors, attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est une honte. Qu'est-ce que tu crois? Si elle t'insulte là maintenant, elle est dans le désarroi parce qu'elle ne s'attendait pas. Peut-être qu'elle avait déjà fait des projets à long terme dans ta maison. Peut-être que tu l'avais déjà promis que vous allez vivre ensemble éternité. Hein? Déjà, il fallait déjà commencer à lui dire que mais cherche un petit studio, cherche quelque chose. Tu n'as pas besoin de prendre un homme, tu viens mettre chez eux que l'homme la met dehors. Non. Oui? Vous savez que le mépris apporte le mépris. Vous comprenez, non? La violence apporte la violence.
Il faut souvent être direct avec les gens. Quand tu sais que c'est ta maison, même si c'est une autre personne qui paye, ici, l'énergie d'ici, est-ce que c'est à mon nom? Son copain à moi que je ne suis pas avec lui, c'est lui qui avait pris ici énergie. Oui, c'est toujours son nom qui est toujours là. Donc, ça ne veut rien dire. Tu peux habiter chez moi. Si j'ai des problèmes, je dis que ma personne, pardon, on met l'électricité ici à ton nom. Même si vous n'êtes plus ensemble, ça change, c'est quoi? Hein? Donc, là, je pense, il fallait arranger cette histoire. Tu savais très bien qui est Irène, parce que Irène, ça, c'est ma soeur. J'ai grandi avec elle. On dormait, Nyango et Irène. À quoi on dormait comme ça, toi, dans un lit? Donc, c'est une personne que je connais très bien. Il y a des façons de faire avec les gens. Hein? Parce qu'on ne met pas quelqu'un de voir comme ça. Il y a d'abord eu quoi? Il faut venir nous dire ce qui s'est passé au début. Parce que moi je connais Irène. Irène, je le connais, mais moi, je connais Irène. Elle ne joue pas. Hein. Parce qu'on dit là. Regardez maintenant. Les voix de la gloire glorieuse. Maintenant, tout le monde va savoir ta misérable vie. Tout le monde, parce que ça dépend. Quand quelqu'un connaît ta vie, il y a des façons. Tu es une star, tu es une diva, tu n'es pas n'importe qui. Vraiment, la seule qui nous reste encore un peu, qui nous sauve dans toute cette histoire-là, c'est grâce des cas qui nous sauve un peu dans cette histoire-là. Parce que je ne comprends pas. C'est quoi ça? Il faut arranger, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas une star, Bracata. Tu es une star mondialement connue, tu chantes dans le monde entier. Regarde alors comment quelqu'un va venir te laver, essorer, sécher, linger, essorer ou se sécher. Regarde, maintenant, que j'ai servi de tout le monde. Ok, comme c'est un blanc, eux n'aiment pas trop les trucs, trop choses. On va manger avec la moutarde. Je vous dis, il y a des choses que, maman, mieux vaut éviter. Moi je vous dis, il faut éviter certaines choses. Hein. Il faut éviter certaines choses. Parce que là, ça va loin. Maintenant, elle connaît tes secrets. Elle va alors balancer. Parce que ton cœur avait fait. C'était même hier, quand j'étais avec par Sirage. Hier, yeah, je pensais à toi. Yeah, je ne savais pas que toi aussi, tu vas bouffer le vieux. Là, tu y penses. Moi, où vous me voyez ici, je vous dis que mes voix, je préfère rester ici seul. Même si une femme me dit que, ouais, la veuve, pardon, je dis que non. J'ai eu ma dose. Et que c'est normal que ma chambre, j'ai une maison, d'abord un, je dors au salon chaque temps, je dors dans les chambres quand je veux. Une chambre qui est vide. Je peux aider quelqu'un. Mais j'ai vu. Parce que les Camerounaises, quand tu la prends depuis, elle est gentille avec toi. Après, elle se prend ta maison, ça devient sa maison. Elle fait ce qu'elle veut. Tu n'es plus chez toi. Attention. Donc, faites attention. Je ne vous demande pas de ne pas prendre les chambres chez vous. Mais pour éviter ce genre de désagréments, comme j'ai fait la dernière fois avec ma soeur là, voilà les mêmes gens. Moi, je suis radical. Je suis radical. Tu ne peux pas aider quelqu'un. C'est pareil, un peu la même histoire. Au début, elle payait 300, après 200, 150. Après, ça devient, elle ne devait même plus payer. C'est devenu, maman, c'est devenu le bourgogne ici chez moi. J'ai dit que, mais c'est comment je suis où? Hein? Tu m'en fais pas beaucoup. Oui, j'arrive, mais je viens. Mais je les mange avec toi. Hein? D'accord. Bah oui, tiens. Pour une fois. J'arrive, je vais finir la montée. Vas-y. D'accord. Je fais avec la montée, non. C'est énorme. Ouais, vas-y. Là, les seins énormes, ça fait avance. Plus que toi. Et puis là, les beaux, le loi des gros seins. Mon bâtard d'amis, le loi des gros seins. Oui, j'ai déjà dit ça. Moi, on disait souvent, c'est que tu ne sais même pas quand je peux faire comme ça, je te fous dehors, je reste chez toi. J'ai dit, oui. Parce que oui, quand une personne est chez toi, quand tu sors, il y a tes documents. Il y a les documents, il y a plein de choses qu'elle peut changer à son nom. Oui. Mais, comment dis-tu que dans la vie, je ne sais même pas quoi vous dire. Dans l'aide, tu as tort. Coco, la route, tu as tort. Tu peux vivre chez quelqu'un. Si quelqu'un te dit que parle de chez moi, vous pouvez faire ça la mienne. Vous pouvez faire ça la mienne. Si moi, de mon côté, je suis arrivé à Facebook, moi-même, pour nous parler de mon histoire avec une autre soeur qui était ici. Parce que vous avez vu, c'était un truc. Ça criait chaque temps ici. Pour rien, ça criait. Ça faisait la guerre avec moi. Ça faisait la force avec moi. Maman, et elle savait que j'allais partir au tribunal. J'ai dit que non. Parce que si je bagarrais ici et que la police arrivait ici, attendez.
Par exemple, si elle commet la bagarre, si elle bagarre ici avec elle, la police, elle pouvait dire que, prétendre que c'est sa maison, qu'elle est ma colocatrice. Et j'allais avoir des problèmes. Vrai ou faux? J'ai attendu quelque part. Dès qu'elle est partie, j'ai pris les matelas, j'ai tiré les matelas, là, je suis parti jeter. Comme ça, quand la police est arrivée, j'ai dit que, elle dit que c'est sa maison. On dit ouvre la porte, dès qu'elle a ouvert la chambre, elle a dit ah! Elle a trouvé qu'il n'y avait pas les matelas. Parce que s'il y avait les matelas, c'est que moi, alors j'allais pour. Elle allait toujours rester là. Avec, dans le droit, on allait me demander, parce qu'elle allait dire qu'elle allait rester là. Ça allait être comment ici? Je ne pouvais plus la mettre dehors. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. Moi, quand ça ne va pas, je te regarde comme ça, quand je porte les matelas, je dis, si je ne porte pas les matelas, là, elle va boire, elle arrive sur ma soeur, même si elle est comprend. Elle arrive à 4h du matin, les gens dorment. Maman, c'était chaussi. Quand la police est arrivée, on lui a dit, vous vivez ici, vraiment? La police qu'on a dans la chambre. Et mais il y a beaucoup d'affaires. Elle dit que non, c'est les affaires de mes enfants et tout. La chambre était bien arrangée. À 4h, je lui demandais que, mais tu es venu ici pour un temps, tu pars quand? Je pars d'ici quand je veux. Ce n'est pas à toi que me mettre dehors. J'ai dit que, je vais te montrer que. Et tout le minga, je suis une Warriors. Moi, j'ai porté les matelas. Je ne vous manque pas. J'ai porté les matelas. C'est allé jeter. Tu entends? Donc, les gens pensent, fais comme moi, ce qui est sûr, c'est ça. Appelle la police. Qu'elle veut, la police va l'appeler pour qu'elle ait récupéré ses affaires. Avec la police municipale, sans problème. C'est ce qui est passé ici. Quand il a mis la police est venue ici, il a mis ces choses là-dedans. Peu importe, là où il y avait les sacs, elle est partie. Elle a compris. La loi, c'est la loi. Vous comprenez, non? C'était chou. Je veux te tuer, je veux te faire ceci. Tu es quoi, cette femme? Elle est asticots chez toi. Même moi. J'ai dit que oui, mais tu vivais dans les asticots avec moi aussi. Donc, pour vous dire que dans cette histoire, il y a une encore aussi se sent humiliée. Elle a aidé cette femme depuis. Elle a peut-être aidé à évoluer. Il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est Coco Lago, elle sait très bien qu'elle est Coco Lago. Coco Lago, c'est une ancienne blogueuse. Ce sont les filles qui ont créé, qui déterraient les cadavres ici à Facebook. À l'époque, on était comme ça, à Facebook, on était nos fils, on les regardait. Elle ne s'amuse pas avec les carottes à Béné et tout ça. Ils ne s'amusent pas. On appelait à l'époque, c'était Patrouille de Zurich. Vous comprenez? Pour vous dire que il faut réfléchir avant de prendre les gens chez vous. Et avant d'aller chez les gens, il faut savoir là où tu pars. Parce que quand quelqu'un vient ici, il faut qu'il sache que la rejoignée est là. Avec moi, ce n'est pas facile. Parce que la cohabitation n'est pas facile tous les jours. Ça, parce qu'on va arriver tous les jours. Voilà les secrets qui sortent. C'est elle qui fait l'anniversaire. C'est elle qui fait ceci. Elle est devenue un petit toutou. Donc, les deux femmes-là ont tort. Lady pense ta maison, appelle la police. La police va appeler Irène pour qu'elle vienne récupérer ses affaires. Peu importe où elle va acheter ses sacs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il vient de parler où? Moi-même, je peux l'appeler là que ma soeur va prendre quelque chose, viens rester ici avec moi si je veux. Parce que c'est déjà des situations. Parce que je connais qui est Irène, Irène connaît qui je suis. On ne doit pas faire ce genre de choses. Quand tu mets quelqu'un dehors, il faut aller prévenir avant. Et si la personne désiste, que la personne ne va pas faire cela où tu prends des mesures radicales. Vous comprenez, mes waros? Donc, dans la vie, continuez à aider les gens si vous pouvez, mais il faut faire attention. Le dos est devenu dangereux. Les gens peuvent filmer ta cuisine. On peut filmer. Moi-même, vous vous souvenez à l'époque, il y avait une dame qui était venue ici chez moi faire la pub. Enfin, bref, elle avait filmé ma cuisine, filmé ceci. J'avais reçu les invités la veille. Et là, il y avait les bouteilles partout, il y avait les trucs partout. Elle a filmé. Soit disant qu'elle va arranger ma cuisine. Elle a mis à Facebook. Vous comprenez? Il y a des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu crois que tu es avec moi alors que tu n'es pas avec moi. Mais comme moi, une fois, quelqu'un vient chez moi, tu vois que tu as mes filles. Tu filmes ma chambre, je m'en fous. Tu filmes ma cuisine, je m'en fous. Parce que moi, je suis type, s'en fout. Donc, après ce direct, je vais essayer d'appeler Irène. Je n'ai pas le choix. Et puis, bah, pas qu'elle vienne ici, bien sûr, mais je vais essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Bon. Et là, tu penses, appelle la police. Tu demandes à la police que tu as un différent avec une dame que tu as hébergée un moment et tout et tout. Tu veux qu'elle vienne prendre tes choses. C'est aussi simple que ça. Que
fait de venir rester là, elle va sortir tous tes secrets. Elle va sortir tous tes secrets. Tu vas leur faire comment maintenant? C'est seulement le buzz là. Et après, tu vas venir t'asseoir encore. Pendant 40 caméras, venir t'asseoir encore pour t'expliquer comme pour qu'un vague. Tu savais très bien que tu prenais chez toi. Tu sais très bien qu'Irène. Irène, c'est une clasheuse hors pair. Même moi, je ne la peux pas. Même l'on ne la peut pas. Attention! Il faut savoir qui vous prenez chez vous. Sur ce, je vous laisse. Je m'en vais m'occuper de mon chéri Coco que vous connaissez. Je vous bois pas que je. Attendez, il faut quand même que j'aime. À bon entendeur, salut. Donc, moi, je veux la paix entre les deux. Là. Je ne peux pas soutenir Coco la gauche, je ne peux pas soutenir Lady Ponce. Et je suis outré pour tous les gens là qui sont là qui insultent Coco la gauche. Wow, 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 wow. Ça n'a rien à y voir. On peut avoir la vie, appelons la paix. On dit que quand tu ne dors pas bien, quand tu ne fais pas bien ton lit, tu te retrouves dans ce genre de situation. Parce que normalement, toi aussi, Coco, tu devais déjà avoir ta petite maison, ton petit studio. Hein? Demander, comment on appelle ça, les HLM. Ça se fait. Pourquoi toujours vous ridiculisez? On vous jette partout, vous, à Nice, pareil, ici, là. Voilà la troisième fois qu'on te met dehors. C'est quoi, ma soeur? C'est quoi? Moi, je suis ici à Souris, je dors bien. Il n'y a que les gens là-bas, c'est avec eux que nous avons des problèmes. Mais on n'a plus les problèmes. C'est devenu calme. Moi, je ne suis pas bien placé pour dire quoi que ce soit. Mais je donne aussi ma petite version. Lady, calme-toi. Irène, calmez-vous. Arrêtons l'hémorragie comme ça. Parce que Lady, ça a commencé. Si tu ne te calmes pas. On va aller à la CPI, à coup de l'homme, de droit pénal de l'homme. Voilà alors, là où passe, là je dois intervenir. Vincent, intervenez. Amote, intervenez. Quand c'est votre personne, intervenez. Sur ce, bonne soirée. On est ensemble.